Regardez les aventures de Franco, s'il vous plaît. Abonnez-vous et partagez au maximum. Ok. Depuis que j'entends le gars, c'est... Ouais, ok. C'est même quelle malchance, ça. Tu attends quelqu'un pendant une heure de temps. Pourquoi tu es fâché, coucou? Depuis que je t'attends là. Non. Chérie, les embouteillages. Les embouteillages, bébé. Regarde-moi, ferme les yeux. J'ai un cadeau pour toi. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme bien. Tu vois, ferme bien. Tu as fermé. Youpi! Ouvre les yeux. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est la fleur, coucou. C'est quoi? Donc tu peux ramasser une fleur dans une tombe? Non, tu dois appeler ça la fleur de jalousie, la fleur d'amour, chérie. Mais, je suis débarrassée. Donc, comme tu as vu ça à la télé là, il fallait venir expérimenter ça sur moi. Non, la fleur, chérie. La fleur. C'est l'amour. Et pardon, va avec ça loin. Ah non, je comprends que c'est parce que tu m'as trop attendu, tu es fâché, chérie, je comprends. Je comprends, c'est pas un problème. Bon chérie, tu m'as posé un problème la fois passée, tu m'as écrit quand on devait se voir, je devais te donner, c'était combien? C'était 20 000, non? Mm-hmm. Mm-hmm. C'était 20 000, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup, mon amour. Oui, chérie. Mon bébé. Tu es tout pour moi, ma brunette. Mon bébé. Ma brunette. Mon bébé, merci. Non, tu l'as pas bien remercié. Alors, bébé, comment vas-tu? Ça va. Et toi? Je vais très bien. Je t'ai dit, chérie, je t'aime. Je t'aime au-delà des frontières. C'est-à-dire, quand je pense à toi, mon corps fait tu connais comme quand il pleut souvent à Douala, l'eau tape en bas du lit, tout. Hein? Quand l'eau tape souvent en bas du lit des habitants, tout. C'est comme ça que mon cœur bat tout pour toi, bébé. Hein? Non. Ok. Bébé, je mérite quand même. Un bisou, non? D'accord. Non, ça va. Sinon. Ah, je suis là. Je suis très contente de te voir. Tu sais, bébé, tu es ma vie. Sans toi, je ne peux pas vivre. Ma brunette. Ouais, bon, ma brunette. Oui. Tu es belle! Merci, chérie. Bon, bébé, on devait aller aujourd'hui, non? Aller où? Comment on devait aller? On devait faire aujourd'hui, non? Comment on t'a dit la fois passée, quand on devait se voir aujourd'hui, on devait aller faire, non? Je comprends pas, pardon, sois un peu plus clair. Tu veux dire quoi? Tu veux quoi exactement? Mon bébé? Oui. Bon. On devait aller jouer un peu aujourd'hui, non? Ouais, chérie, dis-moi non. Sois plus clair. Exprime-toi. Tu veux faire quoi? Dis-moi. Je comprends, chérie. Mais tu es une grande fille. Tu fais comme tu ne comprends pas. Comment tu comprends? Ah, là, c'est pour ça que tu tournes comme ça. Ouais, mon bébé. Oui. Tu sais que je t'aime trop, non? Hein? Je t'aime tellement. Moi tu aussi. Ne sais même pas. Moi aussi. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? 3 mois. Non, ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois. Oui. Ah, bébé, je te jure que quand je suis même à côté de toi comme ça, là,
J'ai des vibrations, je te jure. Moi, on ressent la même chose. Non, moi-même, ce que tu as envie de faire là, mm-hmm. moi aussi j'ai envie de faire ça. J'ai envie de toucher jusqu'à. Ah, ouais, ça me dit, dans mon corps réclame. Moi, j'ai envie de te sentir un peu, de te goûter un ça peu. Ça tombe bien, bébé. Oui, je t'ai dit, moi-même, ça me manque. Ah, yeah. Mais bébé, il y a un problème. Quoi encore? Tu sais que tu es mariée, non? Yeah! Et moi, je vis chez maman. Donc, tu ne peux pas m'amener chez toi. Et moi, je ne peux pas t'amener chez moi. Je ne peux pas t'amener dormir chez maman. Ce n'est pas bon. Et les histoires comme hôtel, auberge, là, je ne suis jamais entrée. Depuis toute petite jusqu'à cet âge, je ne connais même pas comment l'intérêt de l'hôtel est. Le problème, c'est que maman a eu un problème quand elle était un peu plus jeune avec un de ses amants. Donc, je vais dire copain. Et lorsqu'elle m'a raconté ce problème-là, ça m'a traumatisée jusqu'à... Ce qui fait que quand je vois quelque part écrit hôtel, mais je me mets même à trembler. J'ai tellement peur de ça. Donc, moi, je te propose que tu me loues un appartement de 70 000, 80 000, 90 000, 100 000, même 120 000. Ok, c'est quand même toi. Tu équipes bien, tu meubles bien l'appartement. Là, tu pourras venir faire ce que tu veux et je vais te servir quand tu veux, comme tu veux et à l'heure que tu veux. Mon bébé, oui. Considère comme déjà fait. Je t'ai dit, je t'aime à un degré où je peux mettre mon cou, ma tête au rail. Le train passe sur ça, ça ne s'occupe pas par l'amour, au degré d'amour que j'ai pour toi, ma brunette. Okay. Je t'aime. C'est un détail. Je sais que... Si ce n'est qu'un problème d'argent. Non, non. J'ai l'argent en quantité. Oui, bébé, si c'est pour toi-même, des milliards, je dépense. Bébé, je sais que ça peut pas... Franco le mignon. Ça ne peut pas non, je sais que ça me bon, on va faire un truc. Bon, tu as trouvé ta Sebago là, que tu m'as parlé la fois passée. Oui, j'ai trouvé ça dernièrement là-bas au marché central. On me disait 50 000 francs. Seulement 50 000? Ouais, bébé, le jour là, j'ai discuté jusqu'à. Oh, non, que tu avais me dit que tu as trouvé une Sebago de 80 000, 100 000. Non, c'est moins cher. C'est moins cher. C'est vraiment moins cher. Bon, ce qu'on va faire. Comme tu poses le problème de l'appartement là, non? Bon, 50 000, c'est mieux que je te donne d'abord la Sebago. Ah bon, donne-moi les 20 000 et te donne 50 000 là. Ça fait que tu achètes d'abord la Sebago. On va d'abord aller regarder les appartements qui sont bien. Voilà, où je vais. Tu faut que tu prennes quelque chose qui te plaît. Mm-hmm. Eh, mon bébé, donne-moi alors quelque chose très propre. Très propre. Donne-moi un peu les 20 000 là. Et là, je donne pas 50 000. Non, tu vois, non, bébé. Attends, j'ai même mis ça où? Ha! Aïe! Ah bon? Comme ça, je suis ton fou. Ah, comment? Commandant? Commandant, tu as compris? Commandant! Commandant! Je suis ton mougou. En 4 mois, tu as mangé au moins 200 000 dans mes poches. Tu viens me raconter, tu es marié, je ne peux pas aller chez moi, je ne peux pas aller chez toi, je ne veux rien. Madame, j'allais te gifler là où tu es là, c'est la loi qui m'empêche de le faire. Ouais, bébé, il y a c'est parce gens. Que je respecte. Il y a les gens. Quand tu prenais mon argent, il n'y avait pas les gens. Il y a les gens. Minalmi. Tu as compris? Ouais. Au moins les 20 000 ici, j'ai diminué. Je diminue au moins les 20 000 ici. Regarde-moi quelque chose comme ça. Donc comme ça, tu manges toi mon argent. C'est la dernière minute. Tu me dis que loue un appartement de 200 000, de 100 000. Yeah, madame. Si vous n'avez pas honte, il faut avoir au moins ce peur de Dieu. Yeah. Yeah. Est-ce que je mens alors que tu es marié? Je mens que tu es marié. Mon argent, quand tu prenais mon argent, je n'étais pas marié. Je n'étais pas marié, madame. Ou c'est mademoiselle, ou c'est... Je t'appelle même... Hein? Bordel. Hé, hey, quitte de là. Bordel, vierge. C'est la dernière fois. Ne m'appelle plus jamais. Tu as compris, non? Que ça s'arrête là. Hey, je ne peux pas. C'est passé, respect les femmes.
j'allais te laisser une cicatrice sur ta mauvaise peau là. Juste à chaque fois, quand tu vois ça, tu penses à Franco. Regarde-moi les choses là. N'importe, comme il n'est pas là. Attends, ce qui va t'arriver, tu connais nos camas. Je ne suis pas méchant. Suis ma parole. Tu vas mourir à petit feu comme ça. Quand tu vas marier l'argent des hommes, tu vas pas dire que tu es marié. Je vais te donner mon argent. Est-ce que je parle? Est-ce que je n'ai pas marié? Mince. Mince. Les hommes. Donc comme ça, tu laisses ta femme à la maison. Tu viens ici parce que tu me donnes les miettes. Je te propose de louer un appartement à une femme. Tu te mets à m'insulter n'importe comment. Dans tous les cas, j'ai à manger ma part. J'étais même ratée. J'ai cherché une autre proie. Merci. Merci encore mes frères et sœurs. Merci mes fans d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification, les amis, pour recevoir les notifications des prochains films. Merci beaucoup, merci pour le soutien. Je vous attends en commentaire, on va discuter un peu.